السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية. كما وعدتكم في هذه الحلقة هذه هنشوفوا على البارامتراج ديال لا راديو كوموند الكاليبراج ديالها اي بيان سور لي مود دو فول اللي كنا شفنا مجموعين في الحلقة الأولى و لي موفمون بازيك. دونك على بركة الله نبداو الحلقة. بركة الله لاباج داكوي ديال السيميلاتور كما تشوفوا معايا عندكم ليكون ديال البروفيل ديالكم. Donc au niveau comme le niveau, comme les expériences actuelles les rédigées, les gift box sont les gifts les au fur et à mesure ma les expériences les trucs pour avoir soit des drones, soit des hélices, soit des moteurs, des accessoires de drones. Ou à l'expérience totale les intègres. Bien sûr, on a dit plus de 160 heures de simulateur. Alors, qu'est-ce le mode solo, donc qui est un tutoriel. Donc là, vous avez quelques un didacticiel en général. YouTube comme les, on va dire, peut-être familiariser ou ma le simulateur. Donc, comme jeu rapide. Donc un random map ou la random mission, là la session ou le quick setup. Donc, comme vol libre, il y a un jeu faux. هذه الحلقة هذه وعندكم لونغلي كورس. كورس سي كوم لي كورس ديال اي بي في دون ريسينغ دونك سوا ستاندار لي فيهم 3 تور ولا لانفيني دونك كونتر لا مونتر. وعندكم لا ديسيبلين ديال فريستايل بيان سور. عندكم ان اونغلي ديال ملتي جوور وديال لوبي والكلاسمون انترناسيونال ديال ليفت اوف ودي شامبيونا ديال ليفت اوف لي كل شهر il y a des compétitions soit organisées par Liftoff soit par des associations soit des clubs ou même des fabricants de drones. Donc outils هنا عندكم l'atelier donc تتمونتو الدرون كيما بغيتو, c'est-à-dire les composants les بغيتو ou les on va dire les spécificités techniques les بغيتو نتوما. Donc, hélice, moteur, type de caméra, la frame et tout. Et bien sûr, vous avez un éditeur de circuit, donc vous faites un circuit propre à vous. Donc, c'est que c'est les options et surtout le contrôle et la manette. Bien sûr, la manette, elle est connectée par USB, alimentée et tout. Donc, qui met chauffe meilleur. Voilà, elle est connectée. Ou on va dire les mouvements les hand la manette à la commission en temps réel. Donc qui m'a donné le gaz, le pitch, roll ou le yaw. Voilà. Donc on peut calibrer la manette tienne. Donc on le fait ensemble, comme ça vous avez une idée de calibration, comment ça se passe. Donc comment c'est la calibration. Donc on est sur le نحركوا لي ستيك كاع لي بوين pour avoir les points كاع لي بوين ديالها et on la met en à zéro. Donc d'abord تيقول لنا il faut définir l'axe gaz. Donc ها هو الغاز. On suit juste ce qu'il nous dit, comme ça on fait la calibration مزيان. Donc هنا تيقول لنا le pitch. Voilà. Après le rôle, chaque fois qu'on assigne le cycle, Tirsnan rejoint à zéro. Et là, c'est le yaw. Voilà. Rejoint à zéro. Voilà. Donc, la calibration a été faite. Donc, on teste. Voilà, tout est bon. Et on peut affiner bien sûr les réglages. Par exemple, le joystick ou la manette, le stick est un gloop. Donc on a l'option d'inverser. Et dès lors, il y a un inversé, on l'inverse. Mais on a un mzien, donc on le garde comme il est. Voilà. Donc tout est bon. Voilà. C'est bon. Donc on sauvegarde. Et on quitte pour aller directement
le circuit et on découvre les trois modes les hydrnéliums. Il y a l'angle, l'horizon ou la croupe. Voilà, donc on fait vol libre. Désolé pour le temps de chargement, mais ce simulateur a beaucoup de graphismes d'excellence. Donc on choisit un circuit basique. Il va nous demander de choisir le drone. Donc on a différents drones, les Kainin. Simulateur. Donc comme vous voyez, tous ces drones Hador, ou c'est des drones qui sont très connus. Voilà. Sinon, avec la flotte dialecte, au fur et à mesure, malwort, peut-être sur la flotte dialecte, et tu choisis le drone le plus adéquat, on va dire. Donc, voilà, je choisis. Ça, c'est un drone à moi. Donc, comme vous voyez, il y a des données techniques qui sont donc HATRUST, c'est-à-dire le maximum de la poussée d'eau, le poids, le top speed d'eau maximum, ou le contrôle et l'extrême. Donc chaque drone a un de les caractéristiques d'eau, ou chaque drone où je l'utilise, soit freestyle, soit racing. Par là, vous voyez, c'est 194 km par heure. Donc la poussée d'eau, c'est 16 kg. Donc on a juste choisi HADA. Le juste milieu, comme ça on voit ensemble. Alors, pour le simulateur Liftoff, le prix d'Yellow, il coûte 19,99$ sur la plateforme Steam. Et c'est un paiement lifetime. C'est-à-dire que vous achetez un index, et vous avez les mises à jour, vous avez les tournois, vous avez beaucoup de choses. Donc, il ne coûte pas vraiment, ça, à peu près 1 000 dirhams. C'est pas beaucoup. Donc voilà, on est, on va dire, l'écran d'accueil de la machine, comme vous voyez. Alors, il y a les deux, la caméra, donc l'angle de la caméra, qui m'a dit, voilà. Très important. Pour moi, je la garde sur 20. Et vous avez le fauve, le champ de vision. Donc, vous avez un champ de vision plus grand. Anna, personnellement, je garde 25 degrés la caméra et le fauve 115. Voilà. Donc, on est prêt pour voler. Ce que vous voyez, elle a l'écran d'elle comme. Donc, la gauche, c'est-à-dire le mode de vol, il est en accro. On a une simulation de la batterie. C'est une batterie 4 cellules, donc c'est 16 volts. Et là, on a l'altitude et la vitesse. Bien sûr, le cadran, l'ostané, il est connu, c'est le cadran de l'horizon. Les simulateurs d'avion ont le même cadran. Voilà. Et là, on a les joysticks, les sticks d'Yenna en temps réel. Donc, ce que je vais faire, vous allez le voir en direct. Voilà. Donc, on passe en mode level ou la angle pour voir. Donc, comme on a dit, level, la carte de vol, elle t'aide à rester en équilibre. Donc, on va dire, c'est le vol stabilisé. Et vous voyez, même si elle a le pitch, j'appuie au maximum, le drone ne pique pas, on va dire, il pique pas le nez. Donc, j'ai pris 10 ma la carte de vol, donc, comme vous voyez, je tourne. Et bien sûr, les gaz, là, il fait juste le devoir de l'altitude. Donc, je tourne avec le yaw.
Donc voilà, le mode level, comme on a expliqué dans la halqa, c'est que la carte de vol, elle t'aide, ou là, on va dire, elle essaye de garder toujours le drone en équilibre là, en parallèle de l'horizon. Voilà. Donc, c'est faux. Et bien sûr, il a l'altitude, le simulateur, il va me dire qu'en quoi il y a la loi de 200, donc c'est interdit. Donc le maximum, la loi de Tchatchatek, c'est 200. 200 mètres. Bien sûr, il peut dépasser les 200 mètres, mais la loi de l'aviation civile, et bien sûr, la loi des drones, il faut ne pas dépasser l'altitude. Bien sûr, tous les pays ont la loi Diallo, mais le maximum de l'altitude, c'est 200. Dans le Maghreb, parfois on est 80, ça dépend des villes, 80, 60, 40, jusqu'à 120. Ça dépend où on vole. L'international, par exemple, França, c'est 120. 120 et parfois 180. Voilà, et là on a la vitesse. La vitesse, ça c'est le mode level, comme on a dit. Donc, c'est pour un débutant et pour se familiariser avec le drone, avec le vol, c'est, on va dire, هذه هي المرحلة الأولى اللي خاصو يدير. أي باش يعرف كيفاش يدور, كيفاش يطلع في الالتيتود, كيفاش يهبط في الالتيتود. Voilà. Et en même temps, vous voyez les sticks en temps réel. Dès que je viens de dire la radio commande, il y a quelque chose. Donc, ça, c'est pour le mode level. Donc, on chauffe le mode horizon, les dernières. Donc, j'arme, je monte. Donc, l'horizon qui m'a c'est que même 0,50, il est en mode level. Mais dès qu'on dépasse les 50, on peut faire des gestes techniques. C'est-à-dire, le drone peut tourner sur lui-même, la flip pitch, la flip roll. Voilà. Mais, هي تنطلق لا مانيت ديالي تيقاد راسه هو. C'est ça, c'est un combiné entre le mode level et le mode accro. Voilà. Donc, هنا je peux pitcher, donc il accélère de plus. داكشي علاش قبل ما نبداو l'accro, on passe par l'horizon pour se familiariser avec, on va dire, et les gestes techniques. مي انا تنصح باننا ما نبقاوش ما نطيروش به بزاف باسكو اون برون دي موفيز ابيتود ومني نرجعو باش نتعلمو لو مود اكرو خصنا نعاودو عشاني اون فا دير القرايه من جديد دونك سي با لا ميم سونساسيون دونك لوريزون سي جوست واحد كيلكو زور دو سيميلاسيون اي ابري اون باس ديريكتومون لاكرو ولا يمكن ليكم دوزي ديريكتومون لاكرو سي لو ميو سي لو ميو موا جو كونساي دو باسي ديريكتومون لاكرو. Voilà, ça c'était pour le mode horizon. Donc on voit le mode accro ensemble. Donc l'accro, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, il va rester dans la même position, il a marge, je suis à 1. Donc toujours le drone, il suit les directives, les tchatchatons. Donc les actions, les tchatchatons, le drone et les gars. Tant qu'on ne l'a pas changé, il va les garder. Et c'est pour ça que voler avec le mode accro, on est libre de faire ce qu'on veut. Et surtout, le freestyle, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Et il faut savoir FPV Drone Racing, le plus important, lorsqu'on tient le mot, on va dire de l'altitude tel comme tant que l'altitude il faut la maîtriser. Ce qu'on appelle le low rating drone racing, c'est-à-dire c'est le vol on va dire au ras de sol, c'est-à-dire à côté du sol, donc vraiment au plus bas on fait voler. Alors c'est pas difficile, c'est juste des heures de simulation et on acquis, on va dire, un skill, le drone racing.
voyez, le drone, il est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui est bien. Prend des virages un peu serrés. Donc voilà, ce que vous voyez flesticle, c'est que le gaz ramatèche le maximum, parce que ça sert à rien. Je suis à 50 km de vitesse. L'altitude, je suis à 1 mètre. Donc je garde mon altitude et je fais tourner le drone. C'est un enchaînement de mouvements, de cycles. Donc avec le combiné, le roll, le pitch, le gaz, le yaw, c'est avec ça que je conduis mon drone. Et c'est avec le temps que je maîtrise mon drone. Voilà. Je fais ce que je veux avec. Bien sûr, freestyle, c'est une discipline qui est très bien. Bien sûr, il y a des compétitions internationales au FEA. Et c'est 1 minute sur fond sonore, on fait des mouvements techniques, artistiques. Le drone racing, on a un circuit et on a 4 adversaires. Et le premier qui arrive, le finish, c'est lui qui gagne. Bien sûr, avant, il y a des courses contre-montre pour le classement et tout. En général, ça prend 2 jours. La première journée, c'est la course contre-montre pour le classement. Et il y a 32, ça dépend des participants, le nombre de participants. Donc, soit les 16 premiers, ou les 32 premiers, ou les 64 premiers, qui vont, bien sûr, le deuxième jour, faire les courses entre 4 drones. Voilà, c'est ça le FPV Drone Racing. Et si vous voulez, on peut même faire un cercle. Voilà. Moi, je vous conseille bien sûr le simulateur, mais qui m'est maintenant, c'est-à-dire pour commencer, c'est pas la peine d'acheter un drone. En plus de cela, il vous faut une autorisation d'acquisition de drone. Après, il vous faut pour chaque vol, il faut une autorisation de vol. Le simulateur, vous êtes libre. Ou surtout le confinement, il n'y a pas mieux de faire 1 heure par jour. Alors, en une semaine, vous devez être capable de faire voler le drone à l'aise. Voilà. Bien sûr, je vais vous montrer un type de circuit. Juste faire un tour pour voir le circuit d'Yalton. Ensemble. Franchement, il n'y a pas mieux. Le simulateur, on gagne de confiance avant de faire voler un vrai drone. On n'est pas contre la loi. Donc, c'est-à-dire, la manette, une manette de PS4 ou la Xbox, je vais vous montrer avant l'atelier pour avoir juste une idée. Donc, l'atelier, on peut, on va dire, tuner notre drone, changer les caractéristiques du matériel. Donc, par exemple, changer les hélices, changer le type de moteur, le type de batterie. Les batteries, elles font un S, tel 6S. Donc, la batterie fait servir les cellules, c'est que le drone, il aura plus de puissance, mais pas beaucoup d'autonomie. Parce que c'est pas la même chose. Le drone racing, c'est pas question d'autonomie parce que en général, les courses ne dépassent pas 1 minute ou les 2 minutes maximum. Voilà. Donc, on est flatelier, on a les types de frames, on a gars les frames les canines sur le marché. C'est pour ça que je vous ai dit la frame les indiennes, les indiennes. Soit je participe fait à les courses ou les BA. Elle est ici et je peux toujours. C'est pas la peine de sortir mon drone, de charger mes batteries. On charge le bras et demander bien sûr les autorisations et tout ça. Donc, NF le simulateur, je teste mon matériel avant
de le fabriquer. Voilà, donc on a tous les frames, on a les types de batteries, comme je vous ai dit. Voilà, donc avec leurs caractéristiques, 4 cellules, la capacité, le taux de décharge, qui est très important, le taux de décharge à 9 tonnes racing, parce que le taux de décharge, parce que on exécute la lipo, on lui envoie beaucoup de taux de décharge. Parce qu'il est le taux de décharge Khalil, rapidement elle va se décharger. Donc on a à peu près les batteries les NDF 100C ou la 90, ça dépend. Voilà, ça c'est on va dire c'est une batterie de drone racing 1300 mAh, 4 cellules, 107 taux de décharge, ça est très bien. Voilà. Donc on a les batteries, on a les types de moteurs. Les types de moteurs, un dôme le plus important, la caractéristique du KV, voilà, et le tour de la cloche. Ça c'est, pardon, c'est les, voilà, on a le KV, la taille de la cloche, donc la cloche Yehedi, donc c'est du 2306, ou le KV c'est la puissance, donc 2050, qui est 2600, qui est 2500, qui est 2207, 2450, et le gramme. Bien sûr, le poids, il est toujours important parce que le drone racing appartient au drone qui ne dépasse pas les 800 grammes. Et fait les courses, il ne doit pas dépasser les 300 grammes. Parfois, il y a des conditions de participation que le drone rassure moins de 300 grammes, moins de 400 grammes, avec la batterie, avec tout. Donc, prêt à voler. Donc, il est très important de fabriquer son drone et de calculer son poids chaque fois. Le montage. Donc on a les hélices qui maintenant on a les tripales, les bipales, voilà les quadripales, les différents hélices Mikkelsen ou que la hélice, elle te donne cette l'hélice, elle change avec on va dire le taux de poussée. Bien sûr, on peut changer les caméras, les on-cam. C'est des caméras qui existent sur le marché. Bien sûr, on peut ajouter l'accessoire, donc une GoPro. Et ça simule bien sûr le poids. Donc, si on ajoute une drone cam, c'est 74 grammes. Voilà, il faut simuler le poids. Et bien sûr, il y a les antennes. C'est l'antenne VTX. Il y a de la transmission de la caméra, les lunettes FPV. Voilà, il y a tout type de. Avec le grammage. Voilà, ça c'est l'atelier. Donc il est très important. Donc je ne sauvegarde pas. Retourne principale. Oui, pas de souci. Voilà. Donc, comme vous voyez, le simulateur il est complet. Je préfère le lift-off, j'ai pris l'habitude, mais quand il y a des simulateurs comme Vélocidrone, DRL, il y a même des simulateurs gratuits que vous pouvez tester. Donc on fait un type de course et pour voir comment ça se passe. Donc voilà. Donc la manette est connectée en USB, tu as le PC, donc automatiquement, c'est-à-dire le driver qui est là automatiquement. Donc il n'y a pas grand-chose. Liftoff il est disponible sur Steam, la plateforme Steam Ramarofa, donc sur les OS, donc Windows, l'OS X, donc Apple, ou là Linux. Donc on a tout. Donc voilà, ça c'est une course chronométrée. Doucement, on monte, on fait notre course. Bien sûr, la course, c'est pas le fait de flouer. C'est qu'on prend être à l'aise. Le plus important, c'est de finir la course avec un temps soit meilleur que les autres. Comme ça, on a un classement. J'accélère pas, juste pour vous montrer le type. Et ça, c'est un simulateur. Donc parfois, on a même des circuits officiels.
avant de partir le compète en pratique et en pratique. Mais le point fort du vélocidrome, effectivement, où il fait que les badmars, tu connais bien sûr, fait les circuits officiels. Donc, la course, si vous ratez une gate, vous passez pas par la gate, bah vous avez des points de pénalité liés au moins de moins plus 3 secondes sur votre temps. Et bien sûr, si le juge voit que vous volez agressivement les autres drones, il peut vous arrêter et vous disqualifier directement. Voyez le premier tour d'Arsiksal, on va dire d'Arsiksal. D'abord, j'ai pas, j'ai juste, je vous montre, on va dire la simulation d'une course de drone. Voilà. Juste pour finir la course, pour vous montrer, on peut jouer en multijoueur. D'avoir l'avantage du lift-off, on peut jouer en multijoueur. Voilà. Et chaque fois qu'on finit les courses, on fait un bon temps, on gagne des points d'expérience. Et si on gagne des points d'expérience, on a des gift box, les goodly conflits. Et avec les gift box, on trouve soit des hélices, soit des composants via le drone Diane. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo est comme les canaux comme chez SILA. Anna, je suis à votre disposition. L'installation du simulateur, je pense à notre coach qui a fait installer un jeu, et en plus, c'est facile. Le paramétrage radar, c'est-à-dire vous avez une manette, une console de jeu, vous la connectez en USB. Il est automatiquement, si voilà, en train de connecter la manette DLI, si je la connecte, il est automatiquement reconnu par le jeu. Il faut partir aux options et bien sûr le contrôle et la calibrer. Et voilà, donc j'espère de la vidéo. Toi et là, bien sûr, on verra bien sûr pour les prochains épisodes un chauffe-eau. Si vous voulez plus donc sur la discipline du freestyle et surtout les gestes techniques où là on va dire on peut parler même sur la loi FAI, les courses et tout ça, le drone racing. Voilà. Tintmenet comme tu connais bien faire à la guerre, l'intouma, la il te confie le hasard sahé, inchallah kono kouchi kono idouz bien faire à la guerre. وتنشكركم على التتبع لهذه الحلقة ونبقى نقول لكم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.